Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Pick 5 de ce mercredi 21 octobre 2020. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU. Donc beaucoup de pronostics dessus, différents de ceux-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. Déjà plus de 850 abonnés, donc je compte sur vous pour y venir. Et ça se passe en description sous la vidéo et dans la section communauté de la chaîne, vous avez les liens. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, le pronostic écrit du Quintet Plus, le pronostic Quintet Plus et l'affiche de mes bases du Quintet Plus de ce mercredi 21 octobre sont déjà postés sur la chaîne et tout ceci se passe dans la section vidéo. Donc, pour ce qui est des arrivées, alors est-ce qu'il est bien nécessaire de le dire? Donc, la première course, on fait un 3 sur 5. Sur la deuxième, on gagne un pick 5, mais alors le rapport était pas terrible, il est de 21,60. 21,60. Donc, on va passer directement au pronostic. Donc, on commence avec la première course qui se déroulera, qui sera la R1C7 à 16h45 à Deauville. Ce sera du plat sur 1900 mètres. Il y aura 16 partants et c'est une course en PSF. Mon pronostic pick 5 sera le 4, 6, 11, 16, 3, 1, 5 et 13. Et mon regret, le 2. Mon jeu simple, mon favori, sera le 4 pour ce pick 5-là. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R1C9 à 17h55 à Deauville. Ce sera du plat sur 1900 mètres. Il y aura 16 partants et c'est une course en PSF. Mon pronostic pick 5 sera le 8, 11, 9, 3, 1, 4, 7 et 10. Et mon regret, le 6. Mon jeu simple, mon favori, sera le 8 pour ce pick 5-là. Donc voilà les amis pour le pronostic pick 5 de ce mercredi 21 octobre. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU en description sous la vidéo et dans la section communauté de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le pronostic Quintet Plus et tout ce qui va avec dans la section vidéo pour ce mercredi 21 octobre. Abonnez-vous, partagez, mettez un max de pouces bleus et on se revoit dès demain. Bye les amis!